Ciekawe. Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Hugo? Hugo? Chłopczyk płacze? Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillé. Eh ben, on lui dira pas quand on la verra, d'accord? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Ja na ich miejscu pozbyłem mi się tych medalików, które mówią, że są z takiego i takiego rodu. No ale to już ich sprawa. Amicia, pourquoi ils veulent nous attraper? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman? Oui. On fera ça. C'est ta wioska. Czy to jest ten dwór, z którego uciekaliśmy? Sam nie wiem. Oh, des pommes. Hugo, c'est pas le moment. Mais ne touche pas. Tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux penser à manger? Czy są jakieś znajdźki? Chyba nie ma. Chyba, że trzeba naprawdę dobrze szukać. Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. Spaleni są na stosie pewnie. S'il vous plaît, attendez, madame? Qu'est-ce qui leur arrive? Elles ont eu peur. Zapukajmy, da się zapukać? S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Nic z tego. A do tej drugiej? Wierzę wam, że nie otworzę żadną z nich. Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on a faim. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ale fajny jest ten dubbing francuski. Taki. No widać, że się przyłożyli do niego. Da się tędy przejść? Waszego lorda. Co to za X? Pewnie tam wejdziemy. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui. Partout. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'ils se cachent. Koronawirus, tylko w średniowieczu. Ça ressemble pas à une fête. Oh mon Dieu. Hé ! Je vous en supplie, aidez-moi ! Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non ! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein?
Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombé sur Kamachuga. Le mal fort. Et je vous le dis, c'est le dernier village que vous infectez. Amicia, viens vite. Je ne sais pas, dame. Weźmiemy sobie te patyczki. Te garczki możemy wziąć? Nie możemy. O kurwa. To odwaliłem. A w ogóle nie zauważyłem, że ktoś wszedł do góry. Nie, nie, nie. Zejdź tu na dół, chłopie. My sobie po cichutku przejdziemy. O, dobra, spierdzielamy. O kurde. O Jezus, szybko tędy. Już myślałem, że... On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. A, tam musimy iść. Hop ça. Bien, on peut grimper dessus maintenant. No dziwnie, że tamci mnie już nie gonią. Przez chwilę czułem taki mega stres, że mnie złapią. Okej, mogę mieć tylko 6. I teraz tak. No, jakiś łańcuch. Możesz zerwać łańcuchy strzelając z procy. Te drzwi tak wyglądają dziwnie, że podejrzewam, że jak będziemy wchodzić na górę, to zaraz tu te wieśniaki przyjdą. No, jeszcze chwilkę. Chodź, młody. No jednak nie. Nie było wieśniaków. On s'en est sorti. On va partir d'ici alors. Si on nous retrouve pas d'ici là. Mais t'as la fronde. Tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. No to zajebiście. Idziemy tędy. Chodź tędy. Myślałem, że drabiną będzie jeszcze gorzej. Hmm.
Czyli co, jednak tędy nie mogę? No, co teraz zrobisz? Dawaj, dawaj, młody. W sumie ta babka tylko krzyknęła, że introzina. Ale żadnych ludzi nie było. Idziemy. Dobra, idziemy. Gruby Konrad. Konrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse. Amicia, des gamins. On fait trop de bruit. Tu as raison. On ravage le village. C'est trop ça normal. Il y a un enfant ici par les corps. Sûr qu'ils sont sortis de l'église avec le reste de ses bruits. C'était quoi ce vacarme? Na tego. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Idziemy dalej. Na razie to są proste te rzeczy. O kurwa. Szybko otwieraj te drzwi, młody. Kurde, nie tu. O, ktoś otworzył, fajnie. Babuszka. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trompé. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. Okaże się, że ta babka robi krzywdę małym dzieciom. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête, on va se faire attraper. Hugo, on fera ce qu'elle a dit. Ne discute pas. Hugo, attends.
C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh, je m'appelle Claire V. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Claire V, qu'est-ce qui se passe ici? Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants sont... Mais où sont vos parents? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvie, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Oh, tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Ouais, il y a quelque chose d'autre mécanique. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Allez, applique-toi, Amicia. Dobrze. Sakiewka, kieszeń. Co to jest sakiewka? Skraca czas potrzebny do uzyskania maksymalnej celności strzału. Kieszeń. Może pomieścić maksymalnie 12 materiałów każdego rodzaju. Torba z amunicją. Sprzęt. Mieganie wykonywania uniku spowoduje mniejszy hałas. O, to będą fajne mechaniki. Jakie menu wytwarzania, jakiś leksykon. Okej. Ah, alors? C'est bien mieux. Merci Clairvie, merci pour tout. Tu sais que vous les avez perdus? Ouais. Ils font pas de vieux os, si tu veux mon avis. Zabijam babuszkę, podejrzewam. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ce maillet. T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot. Ne crie pas. Les enfants. Młody zgłupiał. Ne faites pas de bruit. Je veux voir maman. Tais-toi. Tu vas nous faire tuer. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman. Maman est morte, Hugo. Tu la reverras jamais. Papa non plus. Amicia... Tu mens. Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse. Menteuse, je déteste. Arrêtez. Hugo, non. Hugo, attends. Ne sors pas, tu es fou. Hugo, reviens. Oh, c'est pas vrai. Nous faire tuer. Hugo, je t'en supplie. Je suis désolée, arrête-toi. Jusqu'à que je te tue. Mon Dieu. Oh Seigneur. Hugo. Troszkę głupie to jest, że za każdym razem trzeba czekać, aż uruchomi się ten skrypt przeskakiwania. Amicia! Amicia! Hugo! J'arrive!
Zabiłem człowieka. Co ja muszę zrobić? Nie. Czyli muszę unik robić, tak? Słabo. Jezu, jak ja to zrąbałem teraz. Jeszcze raz spróbujemy. Czyli co, tylko na prawo mogę? Jeszcze raz spróbujmy. Trochę głupie to. Miał takie kółeczko. Teraz ma na przodzie. No teraz to zgłupiał chłop. A, bo on się teraz robi teraz szybszy, o kurde. O, trafiłem go jakoś. Nie wiem, jak to się stało. Ale z procy... Zabić kogoś? Naprawdę trzeba się postarać.